Bonsoir à tous, je m'appelle Krista Joy, je travaille pour l'organisme Hopi de Jacob. Je vous souhaite la bienvenue à cette petite prière de Compli, qui est la prière avant d'aller se coucher le soir, je vais faire de manière guidée ce soir. Alors, comme j'ai déjà présenté dans une autre vidéo, voici le coin de prière que j'ai dans mon bureau. J'ai une sainte famille, l'huile de Saint-Joseph, j'avais été très malade un jour et quelqu'un m'a donné cette bouteille d'huile, donc j'ai toujours gardé en souvenir. Et voici l'œuvre d'une artiste avec une déficience intellectuelle et pour moi c'est comme une sainte face. Donc voilà, c'est mon coin de prière. Alors, vous avez déjà peut-être écouté quelques vidéos de Compli guidés. Vous écoutez peut-être d'autres vidéos de Maurice en prière, les Compli avec les cœurs, la prière du soir avec les pauvres de Saint-François. Vous êtes peut-être déjà familier de la liturgie des heures, ou bien peut-être que vous n'avez aucune idée. Alors, ce soir, tout simplement, je vais prier avec mon téléphone, avec l'application AELF. AELF, qui a la liturgie des heures pour tous les jours. Cette prière qu'un prolongement de la messe et qui, pour nous, est peut-être plus accessible ou plus près de nous que la messe télévisée qu'on peut regarder, qui a son mérite aussi. Alors, ce soir, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de regarder les Compli sous l'optique de l'espérance. Vous le savez peut-être, on a eu le gala de l'espérance vendredi passé et j'aimerais faire du pouce sur ce que les intervenants ont apporté pour pouvoir prier les Compli ce soir. Alors, on va avoir deux chants à travers la soirée, mais sinon le reste va être tout simplement récité pour que vous puissiez dire les paroles avec moi. Alors, sans plus tarder, prenez votre prière ou votre téléphone et commençons à prier. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Alors pour l'hymne, nous allons prendre le chant de Thésée dans nos obscurités. Lors du gala, Monseigneur Pierre-Olivier nous disait que l'espérance était comme non pas une grande lumière, mais une petite flamme qui éclaire juste un peu. Alors, quand on prie Dieu pour l'espérance, on lui prie de nous donner cette lumière qui éclaire simplement notre prochain pas, ou bien qui nous éclaire simplement dans la situation où on est, sans nécessairement nous donner de grandes réponses ou de prédire l'avenir. Donc, prions le Seigneur pour cette flamme de l'espérance. Obscurité, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais dans nos
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte. Il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise. Mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois. Je me redis toutes tes actions. Sur l'œuvre de tes mains, je médite. Je tends les mains vers toi. Me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage. Je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. J'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Parole de Dieu de la première lettre de Saint Pierre. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Alors Seigneur, nous te prions que cet adversaire, cet ennemi, ce lion, que le démon ne puisse pas écraser en nous l'espérance. Donne-nous la force de résister aux tentations. Donne-nous la force de ne pas céder au désespoir. Et je vous invite chacun à écrire une phrase sur cette parole de Dieu, que ce soit une prière, une réflexion, dans les commentaires de la vidéo pour nourrir notre réflexion commune. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, Alléluia. Écoute et viens me délivrer. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, Alléluia. Et pour le cantique de Siméon, nous prenons l'antienne qui se trouve au dimanche, mais qu'on peut prendre tous les jours de la saison pascale. Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Il nous remplit de sa lumière, Alléluia. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Il nous remplit de sa lumière, Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu qui est fidèle et juste, réponds à ton Église en prière, comme tu as répondu à Jésus ton serviteur. Quand le souffle de l'espérance en elle s'épuise, fais-la vivre du souffle de ton esprit. Qu'elle médite sur l'œuvre de tes mains pour avancer libre et confiante vers le matin de sa Pâque. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur tourne vers nous son visage et nous apporte la paix. Amen. Et je vais vous chanter une version du « Reine du ciel, réjouis-toi » du Regina Celli. Et je vous mets également dans la description du vidéo un lien vers le même chant chanté par une chorale.
voilà, j'espère que vous avez apprécié ce temps de prière. La semaine prochaine, on se retrouve comme d'habitude un mardi. Et cette fois-ci, nous allons explorer la prière des vêpres. Donc, cette prière qu'on prie en fin de journée pour remettre notre journée de travail. Alors, je vous en dirai un petit peu plus la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!